Et j'en connais un qui doit être un maire particulièrement heureux. J'ai beaucoup de chance parce qu'il est avec nous sur ce plateau en direct ce matin. Bonjour David Martier. Bonjour Pascal. Heureux parce que vous accueillez une expo qui fait des jaloux dans le monde. On ne va pas se le cacher. Avant d'en parler plus précisément, j'aimerais que vous nous fassiez un petit point GPS pour ceux qui ont un petit peu de mal à situer le Creusot. Ah ben, le Creusot est en Bourgogne, bien entendu. Et c'est une ville moyenne de 23 000 habitants qui est au sud du département. Voilà pour la situer. Une ville qui accueille donc cette exposition phare. La commissaire de l'exposition est avec nous. Bonjour et bienvenue, Laura Guedin. Bonjour, Pascal. Merci d'être là. Responsable aussi des expos à l'Arc Seine Nationale. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Soulages, j'en parlais dans le sommaire, qu'est-ce que vous leur dites ? J'ai envie de leur dire que c'est vraiment le grand peintre de la scène française actuelle et certainement l'une des très grandes figures de l'histoire de l'art. En tout cas, un artiste qui a marqué et qui marquera les générations futures. Alors, certains vont dire, oui, c'est du noir. Ce n'est pas que du noir, Pierre Soulages. Heureusement, non, ce n'est pas que du noir. Même s'il est vrai que son nom est souvent associé au noir, à cette couleur ou cette non-couleur, diront certains. Mais chez Soulages, ce qui est important, ce n'est pas le pigment en tant que tel. Donc, ce n'est pas cette couleur noire, mais c'est sa capacité aussi à refléter de la lumière. Et donc, il va travailler un autre élément qui est très important dans son travail et qui fait partie vraiment intégrante de son œuvre. C'est ce travail de cet élément impalpable qui est la lumière. Laura, on voit quelques exemples ici. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. C'est quand même très particulier. C'est une œuvre abstraite, donc non figurative, qui peut effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, un petit peu dérouter au premier abord. Mais c'est une œuvre particulièrement intelligente parce qu'elle travaille avec le spectateur. Et donc, on n'est pas seulement passif devant une œuvre de Soulages, mais en fonction de la place que l'on prend par rapport à cette œuvre, eh bien, elle nous raconte une histoire différente. Mmh. Et je pense que ça peut parler à tout un chacun, d'un public non averti à des gens qui ont l'habitude de parcourir les expositions. J'en connais une autre qui travaille avec le téléspectateur. Elle est avec nous. Bienvenue, Fabienne. Merci. Fabienne Acosta qui nous baladera tout à l'heure, je le disais, en Bourgogne-Franche-Comté avec quelques bonnes idées. Eh oui, bien sûr, comme à chaque fois. Ouais, ouais. Alors une très bonne idée, c'est profiter de cette exposition. J'ai envie de me tourner vers vous, David Marty, monsieur le maire du Creusot, comme on dit. Il paraît qu'au départ, quand quelqu'un est venu vous voir dans votre bureau, vous avez dit oui, bien sûr, Pierre Soulages, on a le droit de rêver, non mais et puis quoi aussi, Pierre Soulages au Creusot. Alors c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, ça ne s'est pas forcément passé dans mon bureau. Ça s'est passé à l'Arc, je crois, puisque Laura était en train de terminer la précédente exposition. Et au détour d'une conversation, elle m'a simplement dit « j'envisage de proposer Soulages à l'Arc très bientôt ». Je lui ai dit « oui, Laura, très bien ». Pourquoi pas Miro, Dali, Picasso ?» Justement. et elle m'a dit « non, mais c'est sérieux ». Et quand j'ai compris que c'était sérieux, même si Laura est belge, les Belges, il leur arrive d'être sérieux quand même. Ouais. Quand j'ai compris que c'était sérieux, je me suis dit « bon, là, il y a un truc quand même assez extraordinaire ». Et sans vraiment y croire au départ, très honnêtement, je pensais vraiment que c'était mission impossible, mais je me suis dit « allez ». Il faut un petit peu de folie dans tout ça, donc on va y aller. Voilà comment ça a débuté. Et le plus surprenant, c'est que Laura m'a annoncé que ce sera pour septembre. Ah. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Et si, ça a été possible. Alors, voilà. Pourquoi le Creusot ? Pourquoi le Creusot ? Parce que le Creusot est une ville qui mérite beaucoup d'attention, qui mérite d'être connue. Le Creusot souffre d'a priori, bien entendu, de par son histoire. Et démontrer qu'au Creusot, on peut faire des expositions de ce calibre, d'un calibre international, c'est aussi permettre de découvrir à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la ville de venir sur cette ville. C'est vrai que le Creusot a longtemps été associé à une image uniquement industrielle. On se rend compte que maintenant, vous vous tournez un peu plus vers la culture. J'imagine que monter une exposition comme ça, Laura, ça n'a pas été des plus simples. Forcément, une fois que vous avez eu l'aval du maire, de la commune, comment ça s'est passé ? Alors, c'était un long combat quand même, hein, pour être honnête. Vous êtes allé à l'intox, franchement, au départ, quand vous avez dit à David Marty, oui, on l'aura au mois de septembre. Vous étiez sûr ou pas, franchement ? Franchement, j'y étais au bluff. Ouais. Et ça a marché. Hein. Et ça a marché, mais c'était un bluff pour nous aussi, pour les partenaires. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on s'est rendu compte que les gens ont été séduits par cette idée un peu inédite, d'avoir l'envie aussi de proposer une exposition d'envergure dans d'autres lieux que les grandes métropoles. Et on a été suivis avec beaucoup d'enthousiasme et de bonheur, à la fois de la part de collectionneurs privés, mais aussi de grandes institutions muséales. C'est une vraie décentralisation de la culture, c'est David Marty. Ah oui, complètement.
voulu par la ministre d'ailleurs, hein, parce que je rappelle que la ministre dit beaucoup que la culture doit être décentralisée, donc on est en plein dedans, dans une ville moyenne, voilà. On est dans cet axe-là de décentralisation, mais qui est faite au Creusot depuis bien longtemps aussi, hein, dans d'autres, sur d'autres aspects, bien entendu. Alors nous aussi, ça fait depuis bien longtemps qu'on se balade dans la région au quotidien en direct. On va revenir avec vous, hein, pour parler de l'expo Pierre Soulages et découvrir les coulisses de cet événement mondial, on peut le dire, hein, parce que oui. C'est, voilà, il faut quand même être fier au bout d'un moment, voilà. Et on peut le dire à 9h58, on est tout aussi fier de rejoindre Franck Ménestret pour parler pain, pour parler salaison, dans un tuyer, nous sommes à Mézaudan, dans le Doubs. Oh, jolie Charlotte. Eh bien oui, oui jolie Charlotte, hein, oui Pascal, on est bien au tuyer de Mézaudan. Là, on est côté labo, voilà, avec des fabrications en cours. Là, je crois que c'est de la chipot, on en parle avec vous, Samuel Charton, vous êtes le responsable de la production. C'est quoi les spécialités ici au tuyer? Forcément, c'est plutôt les produits qui vont passer au fumoir. C'est beaucoup les produits qui passent au fumoir. Donc, on a les saucisses, bien sûr, de Morteau, les Montbéliard, la Belle de Mézandan, les palettes fumées, le lard fumé, le lard paysan, et puis bien d'autres fabrications aussi. Ceci, c'est de la chipolata. On va faire de la petite saucisse. De la chipot. Il y a derrière nous des personnes qui sont à l'œuvre, je crois, aussi en train de préparer de la Morteau. Ça, c'est traditionnel, en fait. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur du poussage, le poussage de la saucisse de Morteau. Voilà, et après, donc le poussage se fait là, la mise sur perche, et après, le réessuyage de la saucisse se fait juste après. Alors, le principe de la vocation un petit peu des lieux, c'est de travailler avec du produit de circuit court. Là, par exemple, pour la Morteau, c'est de la viande de porc qui vient d'où? Alors, c'est de la viande de porc, exclusivement franc-comtoise, hein, du porc franc-comtois que l'on achète chez les revendeurs locaux. Et donc, pour pouvoir travailler l'IGP. Donc l'IGP sur la saucisse de Montbéliard et sur la saucisse de Morteau. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait tendance historiquement à plutôt imaginer la Morteau dans le Haut-Doubs, hein, dans les hauteurs du département du Doubs. Là, on est quand même bien plus bas, on est à la frontière avec la Haute-Saône. On a le droit, on peut faire quand même de la saucisse de Morteau. Aucun problème, on a le droit de travailler la saucisse de Morteau, aucun problème. Donc on suit le procédé et puis on est sur les réglementations de l'IGP. Alors la particularité justement, c'est que la Morteau là, elle va être fumée comme dans le Haut-Doubs à l'ancienne, selon la tradition dans un tuyer. Comment elle est venue cette idée d'installer un tuyer à Mézandan alors? Alors elle est venue, mon chef vous en parlera un peu plus précisément tout à l'heure, mais elle est venue il y a bien longtemps, 93 exactement. Le tuyer était monté ici, ainsi que le départ de l'entreprise, enfin, qui était réellement en 91, mais l'installation officielle du laboratoire a été faite en 93 avec un beau tuyer comme dans le Haut. Donc le principe, on a vu viande hachée au départ, là donc c'est le poussoir. C'est le poussoir. Ça sort derrière, on va montrer en même temps, donc ça c'est l'étape ultime de la fabrication, c'est ça? Tout à fait, oui, donc la pendue sur perche. Il y aura une phase de réessuyage, c'est-à-dire la saucisse, on laisse un petit peu sécher la saucisse, et après donc elle part dans le tuyer. Donc là, prochaine étape, c'est le chariot qui est là, donc on va laisser sécher un peu la saucisse, c'est coulé. Et puis le chariot va partir. Donc dans le tuyer, et ça part en règle générale entre 24 heures vraiment au minimum à 48 heures, voire un peu plus. Entre 24 heures et 48 heures. Ben nous, on ne va pas attendre autant. Nous, on va revenir vers vous, Pascal, dans une petite dizaine de minutes. Puis on ira voir si justement, il n'y a pas de la Morteau par hasard. Tiens, ça serait bien qu'on pourrait sortir de ce fameux tuyer que vous devez avoir hâte de découvrir. À tout de suite. C'est votre tour, le rendez-vous itinérant de France 3 dans les quatre coins de la Bourgogne-Franche-Comté tout au long de l'année avec toute l'équipe. Hein, et j'ai une membre de l'équipe qui est là sur ce plateau. Fabienne, je vous voyais, vous vivez ça au quotidien. Hein. Exactement. Alors, ce n'est pas toujours les saucisses me concernant. Bien sûr. Mais on va toujours rencontrer des gens passionnés qui ont un vrai savoir-faire à nous montrer. C'est toujours très intéressant. On découvrira le programme de la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'on fait le grand écart parfois. Hein. Comme nous pouvons le faire ce matin, on n'a pas peur voilà, de parler de Pierre Soulages avec une certitude, c'est une expo qui est présente jusqu'au 21 décembre à l'Arc Scène Nationale au Creusot et au Pavillon de l'Industrie. C'est 5 euros par personne, c'est 3 euros pour le tarif réduit. Pierre Soulages, c'est du noir, c'est aussi, on va vous écouter tiens, et vous voir dans un reportage, l'autre noir, regardez. Ce qui l'intéresse, ce n'est non pas le pigment ni la couleur, mais sa capacité à dégager de la lumière. Quand on est devant ce type d'œuvre,
on ne peut pas rester indifférent. Alors je pense qu'on peut détester ou adorer, mais le fait, il y a un côté presque hypnotique en fait, dans ces reflets de lumière, dans ce côté presque répétitif de la toile, qui donne un côté un peu déroutant. Et ces œuvres en fait finalement pourraient tout aussi bien être les premières comme les dernières de l'histoire de l'art. Car c'est cette couleur, appelée outre noir, qui est devenue la marque de fabrique de Pierre Soulages, un peintre majeur de notre époque, dont les œuvres valent aujourd'hui plusieurs millions d'euros. Nous avions envie, à notre échelle bien entendu, mais de pouvoir nous aussi célébrer l'un des grands jalons de la création universelle. C'est un vrai coup de poker, c'est vrai que pour être tout à fait honnête, de nombreux prêteurs nous ont posé une question lorsqu'on sollicitait les prêts, c'était de savoir mais pourquoi le Creusot ? Et à chaque fois je leur faisais une seule réponse, c'est bien parce que. Et puis ça nous permettait aussi de faire écho à ce que disait Pierre Soulages lui-même quand on lui posait la question, et heureusement de moins en moins souvent, de savoir mais pourquoi faites-vous du noir ? Et là, il y en a qui se disent, qui n'étaient pas avec nous au départ, pourquoi le Creusot ? Vous avez répondu hein, tout à l'heure, David Marty, c'est en replay sur France 3, sans souci. Et ça va plus loin que le simple parce que. Hein. Il y a notamment un lien avec la famille Schneider. On parlait d'industrialisation tout à l'heure au Creusot. C'est vrai que Schneider a beaucoup fait. Il y a un rapport avec Pierre Soulages. Laura, David, pouvez m'expliquer ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, la famille Schneider a créé de nombreuses entreprises en France, notamment Eugène Schneider qui a fondé Schneider Electric. Et en préparant cette exposition, on s'est rendu compte avec bonheur qu'il y avait 4 œuvres de Soulages qui étaient conservées chez Schneider Electric, ce qui nous permettait de faire un lien et une filiation entre l'exposition et puis le patrimoine culturel qui est conservé dans les entreprises. Dites-moi Laura, vous l'avez rencontré Pierre Soulages ? J'ai eu ce bonheur, oui. Tout à fait, dans sa maison à Sète, avec son épouse Colette. En juillet dernier. 99 ans, je précise, parce qu'il y aura le centenaire Pierre Soulages l'année prochaine. Normalement, l'expo va jusqu'au 21 décembre, on n'aurait pas la chance de fêter le centenaire. Malgré tout, est-ce qu'il est venu au Creusot et comment ça s'est passé la rencontre ? Comment avez-vous réussi à séduire Pierre Soulages pour qu'il vienne au Creusot s'exposer ? Alors, encore une fois, je pense qu'il a été séduit par le côté innovant de ce projet et cette envie de proposer une exposition d'envergure dans d'autres lieux que ceux qui sont ceux de la culture habituellement. Et c'était une rencontre vraiment magnifique, voilà, pleine d'émotions, pleine d'humanité. C'est un couple extraordinaire qui a consacré sa vie à l'art, qui a consacré sa vie au public. Donc c'était un vrai honneur pour moi de pouvoir les rencontrer, de découvrir aussi certaines pièces, certaines œuvres de Pierre Soulages qui étaient en cours de création, puisque c'est un artiste qui continue à peindre, oui, c'est ça, et même pas à 99 ans. Il n'arrête pas, je n'ose pas dire le Charles Aznavour de la peinture, parce que ça serait dangereux, on pourrait aller sur des pentes assez glissantes. En revanche, on peut peut-être essayer ensemble d'en savoir un petit peu plus sur Pierre Soulages au travers d'une autre exposition qui est en parallèle par le photographe qui suit Pierre Soulages. Et justement, je vous propose de regarder un extrait de ce reportage. Le photographe qui le suit parle de Pierre Soulages. Regardez. Il a un caractère avéronné, trempé. Volontaire, c'est-à-dire il en veut, il a toujours cette envie d'aller voir plus loin. C'est quand même quelqu'un qui m'a impressionné, puis il a un savoir phénoménal, c'est quelqu'un qui impose, qui en impose. C'est court mais c'est intense. Vous me disiez tout à l'heure avoir fait appel à des collectionneurs privés. Qui de vous deux est sorti à décrocher son téléphone, a fait en sorte que ces collectionneurs vous confient leurs œuvres ? David Marty ? Les deux, on va dire. Les deux, voilà, chacun avec ses réseaux, parce que c'est ça aussi l'exposition, c'est-à-dire chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une œuvre dans un ministère, moi particulièrement, dans un bureau d'une présidente de grande région. Voilà, ce sont les contacts, les connaissances que nous avons qui, à un moment, font que les gens acceptent de prêter des œuvres. Donc chacun avec nos réseaux. Nous avons réussi, avec l'Académie François Bournon aussi, son directeur, qui lui-même, de son côté, avait aussi des réseaux, nous avons pu obtenir ces prêts. Il faut reconnaître aussi qu'au-delà des difficultés que nous avons rencontrées, parce que nous en avons rencontré quand même, j'allais y venir, ouais. Beaucoup, il y a eu de la bienveillance également de la part de prêteurs qui se sont dit, quelque part, ils ont le courage de se lancer là-dedans, ce serait bien qu'on les aide.
ce que vous appelez des difficultés, moi je vais appeler ça des contraintes à mon niveau, parce que j'imagine que quand on s'appelle Pierre Soulages, on n'a pas forcément envie de prêter ses œuvres n'importe où, n'importe comment. Il y a une mise en scène qui doit se faire. On l'a vu l'exemple tout à l'heure dans la salle. Comment ça s'est fait tout ça? Il y a un cahier de contraintes précise? Moi je vais juste apporter une précision par rapport à ce qui nous concerne un petit peu plus au niveau de la ville, et puis Laura va compléter par rapport à la dimension artistique et aux contraintes. Mais par exemple, la salle d'exposition a été refaite complètement. 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 Climatisation, hygrométrie, tout. Tout entièrement, et la ville a complètement participé à la rénovation de cette salle. Ça a été un gros travail, mais aujourd'hui, la salle est complètement adaptée à cette exposition, et il fallait le faire. Et bien entendu, elle servira à d'autres expositions. Et puis après, sur les contraintes artistiques, là, je laisse la spécialiste. Et au niveau des assurances aussi, je pense que ça a dû être compliqué, Laura. Effectivement, il y a des contraintes d'assurance, de sécurité et puis de conservation des œuvres. Voilà, certaines d'entre elles étant des œuvres sur papier, donc extrêmement fragiles, qu'il faut exposer avec un nombre de luxe, donc une luminosité très très réduite pour permettre aussi aux générations futures de pouvoir profiter de ces œuvres dans un état irréprochable. Il y a 33 œuvres, dont certaines, là on en voit quelques-unes, dont certaines valent plusieurs millions d'euros quand même. Tout à fait. C'est bien qu'on ait conscience là, hein. C'est vrai que Pierre Soulages fait partie des artistes dont la cote est la plus élevée sur le marché de l'art. Il est énormément prisé de par les collections et publiques et privées. Et donc, ce sont des pièces, pour certaines, vraiment d'envergure que nous avons réussi à réunir pour cette exposition. Et la scénographie se devait, bien entendu, de les mettre en valeur et dans un écrin qui leur correspondait, avec une lumière tout à fait particulière, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la lumière est quelque chose d'important dans l'œuvre de Pierre Soulages, donc on se devait de les éclairer de façon tout à fait appropriée. Mmh. J'imagine que ce n'est pas une finalité, cette exposition, Monsieur le maire du Creusot, David Martich, je disais tout à l'heure pour rigoler, Miro, Dali, alors ça peut peut-être être plus compliqué parce que j'imagine moins les connexions Miro, Dali ou Picasso avec le Creusot, mais pourquoi pas finalement si Laura arrive à avoir les bons contacts? Très honnêtement, on ne s'interdit rien. Après avoir fait cette exposition Soulages, on ne peut rien s'interdire. Donc il y aura d'autres expositions, de toute évidence, d'envergure aussi nationale. En tout cas, c'est notre volonté, voire internationale, avec des grands maîtres de cet art. Et ça, incontestablement, parce que ce que j'ai ressenti de manière très forte sur la ville, et tout le monde ne connaît pas Soulages, vous l'avez dit, bien entendu, tout le monde n'aime pas Soulages, c'est une évidence aussi. Mais ce que j'ai ressenti de manière très forte auprès de la population creusotine, c'est la grande fierté d'accueillir une exposition Soulages. Mais vraiment, de ceux qui connaissaient, qui ne connaissaient pas, tout le monde avait conscience qu'il y avait un événement sur la ville qui était un événement exceptionnel et la fierté d'accueillir cette exposition. Et donc, il faut absolument poursuivre. On n'aime pas, vous l'avez dit vous-même. Et c'est vrai, il suffit de googliser Pierre Soulages, vous savez, comme font tout le monde maintenant, évidemment, pour se rendre compte. C'est du noir, mais c'est l'autre noir, hein, vous l'avez dit, Laura.